Bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi 3 mai, une femme maçon est morte écrasée par un mur aujourd'hui. Marie-Hélène Placatou travaillait à Bambou avec son mari, également maçon. Son époux écrasait un mur qui s'est effondré sur elle. Les consultations pré-budgétaires ont débuté aujourd'hui. Les syndicalistes ont rencontré le Premier ministre et ministre des Finances, Pravin Jugnauth. Ils ont fait part de leurs craintes en ce qui concerne l'éventuelle privatisation de la Central Water Authority. Demain, ce sera au tour des dirigeants de l'organisation patronale Business Mauritius de rencontrer Pravin Jugnauth. 7 membres d'Arrêt de Kokanoula Plaza et de Résistance et Alternative ont été interpellés par la police, et cela en raison des barrages enlevés le 1er mai sur la plage de Pomponnette. Les policiers ont pris leurs empreintes digitales, accompagnés de leur avocat. Ils ont été autorisés à rentrer chez eux après avoir fait prévaloir leur droit au silence. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur l'express.mu.